c'est qu'un malheur moderne vous dit bonjour. Balan d'émission, c'est qu'un malheur moderne. La petite minonie en beauté. Voilà, bonjour chers abonnés. Nous sommes toujours dans la période des fêtes et en Belgique, la viande par excellence pour les fêtes, c'est la dinde. Donc, j'avais déjà fait une première vidéo avec un rôti de dinde, donc une cuisse de dinde farcie façon rôti. Mais avant de continuer, nous allons passer à la préparation de différentes farces. Voilà, aujourd'hui, comme c'est spécial Noël, en fait aujourd'hui c'est le 24, donc nous allons faire des farces beaucoup plus gourmandes. Je vous avais montré donc une dinde, on va faire une autre dinde aujourd'hui. Donc là, je suis en train de faire en même temps mes trois farces. Je vais récupérer une partie de la farce destinée aux ailes de poulet farcies pour la mettre dans la dinde, mais je vais y ajouter des épinards. Donc dans la farce des ailes de poulet, nous avons fait cette fois-ci la découpe en brunoise. Voilà, c'est-à-dire des tout petits cubes. Et il y a juste des carottes râpées que j'ai laissées entières. Ça c'est pour avoir le visuel avec un peu d'orange. Ça va être un peu plus prononcé avec les carottes râpées. Donc nous ajouterons une duxelle de champignons. La duxelle de champignons, c'est ce que vous avez vu qui sortait d'un sac plastique, un peu comme si c'était broyé. C'est vraiment ce qu'il y a de plus gastronomique dans les farces. Ce sont des champignons avec un peu de beurre, un peu d'échalote. Ça s'appelle une duxelle de champignons. Donc je l'ai confectionné moi-même, c'est fait maison. On a mis la duxelle de champignons et plusieurs légumes en brunoise. Maintenant, c'est ce que je devais vous dire. Les farces, il y a 1000 possibilités. Il se peut que vous me voyez en train de faire chaque fois des farces différentes. C'est pour ça que quand les gens me demandent « Qu'est-ce que tu as mis comme farce ?» Je suis un peu embêté parce que ça tombe, ça que j'ai fait ce jour-là, je l'ai créé le jour même. Mais je vais prendre mon temps pour petit à petit mettre ça par écrit et vous proposer différentes farces. Peut-être que Noël prochain, vous aurez déjà au moins 10 farces au choix. Voilà. Donc on est en train de mijoter nos différentes catégories. Ce sont des légumes qui vont servir à farcir les différentes volailles. Donc on va proposer pour le réveiller. Aujourd'hui, je vais faire la même chose, mais avec une farce différente. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle j'explique vraiment pas à pas la procédure, comment désosser et quel assaisonnement j'ai mis, allez voir cette vidéo intitulée cuisse de dinde farcie façon rôti. Je vous mettrai le lien dans le premier commentaire. Voilà, c'est parti. Donc ici, on a notre cuisse qu'on a désossée. Et aujourd'hui, le changement par rapport à l'autre version, c'est que j'ai récupéré de la viande qu'il y avait ici au milieu. Et cette viande, je vais la réincorporer. Voilà. On va boucher les trous. Là. Et je vais faire une autre farce. Ça, c'est du veau avec le mélange de campagne, donc échalote, persil. Et ça, ce sont des légumes que je vais utiliser également pour mes ailes de poulet farcies. Donc voilà, je mets quelques légumes. Je vais bien mélanger le tout ensemble. Parce qu'en fait, ceux qui mangent ça aiment bien retrouver beaucoup de viande. C'est pour ça qu'on a enlevé l'os. Et on va remplacer par de la viande hachée pour bien coller tout ensemble. Et de la viande de dinde. Donc aujourd'hui, ça va prendre une autre forme et une autre coloration. Voilà, vous avez vu, à un moment donné, j'étais occupée à faire mes mélanges pour farce. J'ai fait quelques épinards, j'ai fait quelques légumes. C'est pour faire cette recette. Voilà, maintenant on va venir placer la viande hachée un peu par-ci, par-là. Ça sert à rien d'en mettre trop. Hein. Les morceaux qui vont rester, on peut les cuire au four et on les donnera à la personne à qui appartient le rôti. Parce que quand on met trop, ça va devenir compliqué. Voilà.
Maintenant, j'ai envie d'apporter un peu de la couleur verte. Je mets des épinards. Quand c'est roulé, on voit à peine les couleurs. Donc ici, je voulais vraiment qu'on voit que c'est vert à l'intérieur. Voilà. Il faut surtout insister sur le milieu. Voilà. Donc maintenant, on va rouler ce mélange. Les petits morceaux, on les cuira. Voilà, donc on roule. Là. Et maintenant on va attacher tout ça avec de la ficelle. Ensuite on va encore renforcer avec du papier cuisson d'abord et de l'alu. Saucissonné. Maintenant on va les couper là-dedans. Papier cuisson, je répète qu'on ne met pas directement le contact avec l'aluminium. Je vais rajouter un peu de papier cuisson parce que là ça cogne. Ça permet aussi de ne pas brûler le rôti. Donc, on tient bien ensemble et ça ne va pas brûler. On prend ça et on va le mettre dans le moule à cake. Bien étouffé. Il est prêt. Voilà. Voilà, ça c'est une autre méthode. On met juste au milieu. Quand ça va être roulé, on verra quelque chose de vert au centre, tout fin. Voilà. Méthode 2. Voilà, je roule. Voilà donc nos rôtis sont sortis du four. Voilà, malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer le rendu à l'intérieur parce que c'est une commande. Les clients pourront déguster, mais bon, prochainement je vous montrerai. Je vais refaire la même chose. Voilà, ça ce sont les préparatifs de Noël. Un grand merci à tous les abonnés qui demandent des recettes et qui reproduisent. Grâce Mouleka, j'ai vu ta reproduction de rôti de dinde, bravo. Essaye de faire également cette recette et tu peux toi-même créer aussi
des variantes et améliorer. Tu peux mettre aussi une touche sucrée, des fruits secs, des raisins secs. On peut mettre beaucoup de choses. Voilà, donc j'en ai fini avec ce rôti de dinde fait avec des cuisses de dinde. Et l'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit à bientôt. Voilà, un petit rappel. Notre jeu concours se termine le 28 décembre. Il n'est pas trop tard. Cliquez sur la vidéo du concours. Répondez aux questions via WhatsApp. Attention, vous n'êtes pas obligé de jouer pour votre propre compte. Vous pouvez aussi, comme c'est la période de fête, faire profiter de cette offre à quelqu'un qui se trouve n'importe où dans le monde, admettons à Kinshasa. Vous jouez et là, dans votre message WhatsApp, vous dites « Je joue pour faire gagner Nathalie, par exemple. » Quand nous allons faire le tirage, nous allons prendre, si c'est Nathalie qui gagne et que c'est vous qui avez joué, à partir de votre numéro de téléphone, nous allons vous retrouver et vous allez nous dire à qui faire gagner. Soyez gentils, surtout ceux qui sont en Europe, là où il y a la connexion. Le jeu est facile, il y a moyen de trouver les réponses. Faites gagner un membre de votre famille, faites gagner votre meilleur ami, n'hésitez pas et il y aura régulièrement des concours sur la chaîne Émission Moseka. Voici la période de fin de l'année, donc nous allons vous offrir des cadeaux et notre jeu concours aura lieu jusqu'au 28 décembre et le 29 décembre je vais faire un tirage au sort des bonnes réponses et deux personnes pourront gagner chacune 20$. Et vous pouvez participer quel que soit le pays où vous vous trouvez, parce qu'il existe Monogram et il existe plein d'autres moyens d'envoyer de l'argent partout dans le monde entier. Donc maintenant, vous allez répondre aux questions et ensuite, je vous dirai à la fin de quelle manière vous allez me faire parvenir les réponses. Comme ça, si vous avez les bonnes réponses, vous serez sélectionné grâce à un tirage au sort. Alors, première question. Dans la sauce béchamel allégée, quel ingrédient remplace la farine ? Question numéro 2. Quel est le nom de la recette du poisson proposée pour le buffet froid dans la vidéo suivante? Question numéro 3. Quel est l'autre nom de la sauce Nyok Mam? Question numéro 4. Comment appelle-t-on les feuilles de moutarde au Congo, République démocratique du Congo, à Kinshasa, Congo-Kinshasa? Le nom des feuilles de moutarde. Question numéro 5. Quelle recette de gaufre contient du sucre perlé? Question numéro 6. Quelle marque d'huile de palme je recommande dans la vidéo suivante? Et la dernière question, numéro 7. Quel est le nom de la dame qui cuisine ce plat dans la vidéo? Voilà, chers abonnés, évidemment que ce jeu est un jeu concours spécial fidélité. Voilà, donc si vous êtes une ancienne abonnée de ma chaîne, une personne qui est membre de mon groupe de cuisine sur Facebook, le Béaba de la cuisine herdicienne, vous pourrez répondre à la moitié, à plus de la moitié des questions sans même regarder les vidéos. Mais toutefois, comme on veut laisser la chance à tout le monde, si vous ne connaissez pas les réponses, eh bien sachez que la réponse se trouve dans la vidéo qui illustre la question. Donc, regardez au besoin la vidéo à votre aise et vous trouverez la réponse à l'intérieur. Donc, et prochainement, ayez l'habitude de retenir. Faites comme Mamie Likwema, Maman Ondanda, elles ont carrément incarné
où elle note les astuces, les nouveautés, les mots que je donne dans mes vidéos. Bonne chance. Bonne chance à tout le monde. Voilà, chers abonnés, pour être éligible et pour être tiré au sort dans le but de gagner 20$, il y a deux personnes qui pourront gagner 20$. Donc 40$, mais deux personnes. Donc il faut répondre correctement aux 7 questions. Et donc il y aura une vidéo le 29 décembre afin que vous voyez en direct le tirage au sort qui se fera sous vos yeux. Et je donnerai également les bonnes réponses. Ça va? Donc, tentez votre chance. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Celui qui ne tente pas sa chance n'aura rien. Donc, bande konangai, konkuro ezapona mutu nyonso. Bana partout. Bana Kinshasa. Bana Luanda. Bana ya Kalemi. Bisika yo se ske ekokuta yo. Meka konkuro oyo. Soko pesi ba bonne réponse na yo. Na chaîne nangai pe na groupe nangai ezaka ba cadeau lokutate pour vivre ngo pe soki na moni bozo se plan ba concours to ko ko bando sala concours ata chaque mois pona cheka ka soki bolanda ka ya solo ba vidéo. Donc bonne chance, tentez chance na yo lokola ndeko Nelly o azali na Angola a tentera ba chance na ye a gagnera na ye. Tentez chance na yo lokola mami Likwema a gagnera na ye. Tentez chance na yo lokola Esther Stella Levo a gagnera na ye. Donc bonne chance. Voilà. Donc pour donner vos réponses au concours, c'est uniquement via le numéro WhatsApp qui s'affiche actuellement sur l'écran. C'est un numéro qu'on a ouvert uniquement pour le concours. Après le concours, il ne sera plus opérationnel. Donc on va garder ce numéro, on va dire jusqu'au 1er janvier, mais le concours, c'est jusqu'au 28 décembre. Donc si vous envoyez le 29, vous n'êtes pas éligible. Voilà. Donc on le laisse ouvert pour que vous puissiez éventuellement encore poser des questions jusqu'au 1er janvier. Donc vous envoyez vos réponses écrites. Nous ne prenons pas les réponses en audio. Uniquement par écrit et n'apportez rien d'autre comme message. Ce n'est pas un numéro WhatsApp pour répondre aux questions que le professeur va encore venir donner cours. Je ne donne pas cours. Vous vous présentez. Je m'appelle Magali. J'habite à Kalemi. Voici mes réponses. Je sollicite la participation au concours de fin d'année pour gagner 20$. Tu mets ça et ton numéro apparaîtra. Donc si jamais on a besoin de te joindre, on pourra te joindre. Mais de toute façon, le tirage au sort se fera le 29 et j'essaierai de le faire en direct. Donc j'annoncerai ça. Suivez sur ma chaîne. Soit vous verrez première, soit vous verrez direct. Donc vous pourrez voir comment on va tirer au sort parmi les gagnants. Break, the shadow starts to fade.